Bienvenue sur zebrenet.fr. Merci d'être avec nous hein, sur cette page Facebook et je vous amène au voyage, dans un voyage au cœur du zen et du yoga. Nous sommes en direct, enfin en direct, en semi-direct puisque moi j'enregistre en direct là, mais là vous le voyez en rediffusion, au salon du bien-être Feel Good. Ça se passe justement à l'océan et nous sommes à Anglet avec Stéphanie Vinch. Stéphanie Vinch, professeur de yoga à Cabreton. On ne te voit pas, Stéphanie, là, on voit la mer, on voit les vagues, c'est assez incroyable, c'est assez génial. C'est assez génial. Voilà. Mais et un salon du bien-être à la plage, c'est top, quoi, quand même. Oui, à la chambre d'amour à Anglet. À la chambre d'amour à Anglet, pour ceux qui connaissent, en tout cas. Alors, tu vas nous amener dans ce salon et on va aller voir Nathalie Méric de l'agence Turquoise Voyage, c'est ça? Et Véronique aussi. On te laisse y aller, puis en même temps, moi, je vais demander aux gens de laisser des commentaires, hein, tout simplement, juste en dessous de cette vidéo. Il fait quel temps, là? On voit pas trop le temps qu'il fait, en fait. Il est couvert, il ne pleut pas, il est couvert. D'accord. Il est agréable, quand même. Voilà. D'accord. Une bonne ambiance, du monde. D'accord. Très sympathique. Ok, c'est sympa, là. C'est de cool. De la musique, et pas mal de monde sur le stand. Bon, c'est parfait. Alors, nous allons. Ah ouais, là, il y a beaucoup de musique, là. Oui, beaucoup de musique. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de monde. Ils sont pas dans le local. Il y a beaucoup de monde. Il y a combien de stands en fait à l'intérieur? Je ne sais pas grand. Exactement. Un stand Terre des Templiers, vin de Banyuls, vin de Combourg. Ah ouais. Plongée végétale, Lotus, boutique solutions biologiques pour la piscine. Ouais. Tu sais qu'en ce moment c'est le salon zen aussi, mais à Paris, Porte de Champéry. Et alors quand j'y suis. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'exposants, énormément de stands. Il y a de quoi se perdre. Ça dure 3 jours et heureusement que ça dure 3 jours parce qu'on n'a pas le temps de voir grand chose. Alors toi, tu es prof de yoga, hein? Oui, exactement. Alors, je suis professeur de yoga depuis de longues années, depuis 1984. Ouais. Et alors, bon, je suis visité un petit peu. Là, nous sommes en plein centre de la salle qui accueille les exposants de ce salon. Ouais. Voilà. Et là. Nous avons des moines bouddhistes, dont un est à l'œuvre pour constituer un mandala de sable. Est-ce que tu me vois là? Alors là, je vois le mandala de sable, ouais, c'est assez. Donc, j'avance un petit peu, je passe au-dessus des personnes et je vais te montrer ça en direct. Voilà, c'est assez génial ça. C'est assez génial. On va directement au stand? Et on va directement au stand. Allez, rejoindre Nathalie Méric de Turquoise Voyage. Donc on va parler de voyage, hein, tout simplement, parce que le yoga, le zen, ça fait penser à pas mal de destinations. Alors, là, nous sommes avec. Je te présente Nathalie. Bonjour. Bonjour Nathalie. Alors, vous me voyez pas, hein, Nathalie, forcément, mais nous, on vous voit. Alors, donc, gardez bien le sourire. Parce que c'est les écouteurs. Et de quoi? C'est moi qui ai les écouteurs. D'accord, tu lui dis que moi, elle ne peut pas me voir, mais que nous, on la voit. Et que, voilà. Ah, qu'est-ce que c'est ce livre? Non, ça, c'est l'affiche. Ce n'est pas un livre, c'est le flyer du voyage. D'accord. En fait, alors, qu'est-ce que c'est que. C'est moi qui ai les oreillettes, donc je te ferai la traduction. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce voyage? Alors, qu'est-ce que c'est que ce voyage? Tiens, Nathalie, présente le voyage. C'est Véronique qui va présenter. Alors, mets bien le micro devant la bouche de Véronique. Véronique. Bonjour Véronique. Oui, là je la vois. Bonjour Véronique. Attends, je lui confie une petite oreillette. Vas-y. Allô. Alors bonjour Véronique, Lionel de Zebrenet, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Alors c'est parfait. On parle de ce voyage. C'est quoi ce voyage en fait? Alors c'est un voyage, on va dire que c'est un voyage qui est intitulé yoga et méditation, mais c'est plutôt un voyage d'initiation où chacun peut découvrir son parcours personnel. Donc ce voyage est accompagné par un professeur de yoga, mais donc, tous les matins il y aura une séance de yoga, mais il y aura également de nombreuses possibilités de découverte personnelle dans le cadre d'un parcours qui a été défini pour les lieux à forte connotation spirituelle, puisque nous allons aller sur Haridwar, Rishikesh, ensuite Bateshwar, Orcha, Kajurao et Varanasi. Donc on allie le côté culturel de l'Inde, on n'a pas oublié non plus Agra avec le Taj Mahal, mais on a également des étapes qui sont
qui sont connus pour l'aspect hindouiste, qui sont connus pour le yoga, et Rishikesh étant l'adresse par excellence mondiale du yoga. Et ça permet à chaque personne de se découvrir et de découvrir en même temps. D'accord. Stéphanie, mets-toi bien devant la caméra. Là, je ne vois pas, je vois pas beaucoup. Je vois pas beaucoup. Voilà, là, elle est voilà. Beaucoup. Ah, là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qui va se passer dans ce voyage ? Il va y avoir des excursions, il va y avoir des initiations. Comment ça va se passer ? Alors, c'est simple. Ce voyage, chaque personne, chaque participant de ce voyage est acteur de son voyage. Donc, nous, on a mis en place une logistique. Stéphanie va animer les cours de yoga le matin. Il y aura des cours de yoga qui seront en échange avec certains professeurs locaux. Il y aura des visites qui sont, un certain nombre de visites qui sont prévues. Il y aura des treks, il y a des visites du Taj Mahal, il y a la visite de Old Delhi. Mais il y a des moments personnels. Et donc, il faut bien comprendre que c'est pas, on ne vient pas sur ce voyage en attente, on vient surtout sur ce voyage en acteur. Et c'est avant tout un voyage et d'échange entre les participants, également un voyage d'échange avec les personnes locales qu'ils vont rencontrer. Il faut venir avec un état d'esprit de découverte. De toute façon, chaque voyage est un voyage de découverte. Quand on devient consommateur de voyage, on n'est plus voyageur. Donc, ça s'adresse vraiment à des personnes qui sont dans la recherche d'authenticité, dans la recherche de la découverte, dans la recherche du partage, de rencontres humaines. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Mais vraiment, ce qui est important, c'est d'être acteur de ce voyage. On peut avoir envie de découvrir le yoga, on peut avoir envie juste de découvrir l'Inde, d'une façon différente, de rencontrer des gens différents, en tout cas de rencontrer des gens dans une démarche similaire que l'on a soi-même. Alors pourquoi avoir choisi l'Inde ? Ah, moi, je suis en Inde depuis 17 ans. Alors voilà. Après, c'est à Stéphanie qu'il faut poser la question. Pourquoi l'Inde ? Pourquoi l'Inde, Stéphanie ? Alors, pourquoi l'Inde ? Eh bien, parce que l'Inde, c'est le berceau de l'enseignement traditionnel du yoga. Et mettre un pied dans l'Inde, sur l'Inde, sur le territoire indien, au moins une fois dans sa vie de yogi, me paraît absolument indispensable. Voilà. Alors, comment pour ça se fait ? Goûter à l'âme du pays, voir les odeurs, les saveurs, les couleurs, les personnes sur place aussi, c'est un vrai bonheur. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le yoga, c'est plutôt en Chine, au Japon, et en fait, pas du tout. Quoi. Ou alors, ça a été exporté, comment ça s'est passé ? Non, pas du tout. L'Inde, c'est le berceau du yoga. Oui. Le 21 juin, c'est l'année du yoga. C'est quand même le premier ministre actuel, M. Modi, qui a remis le yoga à l'ordre du jour. Et le berceau de l'Inde, c'est le yoga. Le berceau du yoga, c'est l'Inde. Le 21 juin, c'est la journée du yoga ? La fête internationale du yoga reconnue par l'ONU. Voilà, donc dans le monde entier, le 21 juin, le jour de la fête de la musique, nous fêtons en même temps le yoga. Voilà, c'est ça. Il y a combien de personnes qui sont attendues, qui peuvent venir avec vous à ce voyage en Inde ? C'est un groupe qui se veut relativement exclusif. On limite le nombre à 12 personnes. Ouais. Donc, il faut se dépêcher de s'inscrire. Ouais. Le nombre de places va vite partir, notamment à l'occasion de ce salon où le nombre de demandes est déjà intéressant. D'accord. Il y a déjà 4-5 personnes qui sont inscrites. Donc voilà, il reste 6-7 places. Donc dépêchez-vous. Il reste 6 places. Et contactez Nathalie. Nathalie, voilà. La voilà qui apparaît à l'écran. Plaisir de vous recevoir. Super. Ok. Voilà. Alors, pour s'inscrire, il faut faire comment ? Alors, pour s'inscrire, la partie technique, c'est pas moi. Ah, bah, voilà, on va passer l'oreillette alors à Nathalie. Merci beaucoup, Véronique. Oui, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Oui. Vous m'entendez ? Oui, Lionel. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, bien ? Lionel. Vous m'entendez bien ? Je vous entends un petit peu. Bon, je vais changer d'oreille. Ouais, changer d'oreille. Okay. Alors, vous allez nous parler un petit peu du problème de la logistique de ce voyage. Comment ça va se passer ? Donc, on sait qu'il y a 12 personnes au total. Il faut que tu me contactes à l'agence de voyage. Oui. Donc, soit par téléphone au 05 58 41 01 13 ou bien par mail à l'adresse suivante Nathalie,
turquoise, comme la couleur, tiré du milieu, voyage au pluriel.fr. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, Nathalie, donc c'est le prénom, comme le prénom. Donc, Nathalie, arrobase, turquoise. Turquoise, comme la couleur, ok. Exactement. Tiré du 6, tiré du milieu. Le petit tiré, d'accord. Voyage au pluriel. Voyage au pluriel. .fr. Bon, je mettrai ça sur la page Facebook de toute façon. Le numéro de téléphone, je le rappelle, c'est le 0558 41 01 13. Absolument. C'est ça ? Bon, parfait. Vous attendez encore 6 participants. Ensuite, on clôture les inscriptions. On va pas se mentir. C'est pas un voyage que tout le monde peut s'offrir, j'imagine, puisqu'il y a quand même, un coût assez conséquent. Mais vous avez essayé de baisser le coût malgré tout. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Tout à fait. En fait, à l'occasion du salon, sauf pour le visa finalement. Un visa qui est conséquent, qui est quand même à 90 euros. Donc en fait, le voyage est à 1780 euros et nous offrons le visa pour l'Inde. Et vous offrez le visa? Ou bien, si les personnes veulent s'occuper de leur visa, on fait le voyage à 1700 euros et à ce moment-là, les personnes s'occupent de leur visa. Et en plus, évidemment, il faut rajouter le billet d'avion pour se rendre à Delhi. À l'heure actuelle, un exemple, le départ de Bordeaux, il faut compter dans les 850 euros, aller-retour Bordeaux-Delhi. D'accord. Départ le 10 février, retour le 25 février. D'accord, en gros, c'est un voyage, un, initiatique, et deux, que, une espèce de cadeau. Une enveloppe à 2500 euros. C'est un cadeau qu'on s'offre ou alors un cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, hein. C'est un cadeau qu'on s'offre et qui peut vous changer, à votre retour, et je le souhaite. Certaines choses dans votre vie, puisque c'est un partage, c'est une rencontre justement avec d'autres personnes, c'est pour mieux se retrouver. Ouais. Je dirais que c'est aller vers les autres pour mieux se retrouver soi-même. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'être concis et précis. C'est quoi l'argument type qu'on pourrait donner, enfin le bénéfice qu'on pourrait donner pour que les gens aient envie de s'inscrire justement? S'il y avait un message à retenir de ce voyage et de cette organisation, ça serait quoi? S'il y avait quelque chose à vraiment, les gens doivent repartir là, après cette interview, dire « Ah, je me rappelle parce qu'elle a dit ça ». Ça serait quoi ce « dit ça » justement? Ça serait quoi justement ce message? Gagner du mieux-être, tout simplement. Gagner du mieux-être. Donc on part là-bas, justement, on va mieux se sentir. Se ressourcer, se retrouver dans cette société qui est un petit peu perdue. Je trouve qu'on est en plein dedans et… Alors, je dirais que, en fait, on dit en ce moment que les personnes et le monde est désorienté. Et je pense que mettre le pied en Inde, c'est retrouver son orient, donc retrouver son orientation, remettre du sens dans son existence. Waouh! Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, là, il y a du lourd. Là. Là, quand on entend ça, c'est sûr, on se dit, non, mais là, faut y aller. Non, mais le coût, c'est forcément pas abordable pour tout le monde, mais c'est un cadeau qu'on se fait une fois dans sa vie, j'imagine. Alors, Lionel, effectivement, c'est un montant, mais le montant, il est lié, comme Véronique a pu le dire, elle s'occupe de la logistique là-bas. Nous serons extrêmement bien accueillis, que ce soit au niveau des hôtels, que ce soit au niveau des sites. Dans ce prix de 1700 euros, il y a aussi compris les transports en train. Le train. Et puis, on a un vol intérieur aussi qui nous ramènera de Benares, de Varanasi, jusqu'à Delhi. On part pour presque 1500 kilomètres. 1500 kilomètres. En tout, oui. En 15 jours, donc en plusieurs étapes, évidemment. Ouais. Et on a vraiment privilégié des très bons hôtels, de manière à pouvoir mieux appréhender la journée du lendemain et pouvoir se ressourcer. Certes, on peut aller dans des hôtels moindres, 2 étoiles, mais aux normes locales. Et je pense que notre clientèle occidentale n'est pas encore vraiment prête à voyager dans ces conditions, des Indiens. Oui. Et c'est pour ça aussi que forcément, ça fait monter un petit peu le budget. Mais ça fait partie du voyage pour pouvoir mieux se ressourcer également. D'accord. Et puis, il y aura les cours de yoga, en principe aussi assurés au moins une fois par jour. Okay. Yoga, méditation, soit avec moi, soit avec des professeurs locaux, voilà. Et nous avons bien sûr ce contact francophone aussi pour les accompagnements aussi. Ça me paraît important. Est-ce qu'il y a une page particulière qu'on peut aller visiter sur Internet pour voir tout ça, ou est-ce que vous avez, ou c'est un flyer juste comment ça se passe? Alors il y a deux choses. Le flyer, il se trouve sur le site internet de Cap
capyogaclub.com, www.capyogaclub.com. Ça, c'est ton... Cap Yoga Club est une école de yoga qui se situe sur la commune de Cap-Breton, au bord de l'océan, pas très loin d'où nous nous trouvons là en ce moment, à Anglette, donc dans le Sud-Land. Anglette, c'est au Pays Basque, le Sud-Land, on est quoi, à 25 km à peu près. Oui. Donc la salle de yoga, le centre de yoga de Cap Yoga Club se situe à Cap-Breton. Et donc sur le site internet de Cap Yoga Club, on peut retrouver les informations. Okay. Et on peut retrouver aussi la page Facebook Cap Yoga Club, où on peut facilement nous contacter par message. Voilà. Bon, eh bien, je vais mettre tout ça en dessous, juste en dessous de cette vidéo, donc sur sur Facebook. Et puis voilà, on va inviter les gens à venir à aller en Inde. Bon, moi je pourrais pas parce que je travaille. Il faudra nous suivre aussi. Le scoop, c'est que très probablement et très prochainement, on va pouvoir annoncer qu'il y aura un festival de yoga à Cap-Breton aussi. Donc je te tiendrai au courant, Lionel. Parfait, sans problème. Merci beaucoup à toutes les deux. Il doit y avoir beaucoup de monde là, donc je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Merci Lionel. En tout cas, on va laisser Nathalie. Et puis, et ben, voilà, que ce voyage soit un succès. Plein d'amour, de joie et de bonheur avec des personnes que nous ne connaissons pas encore, mais on se fera un plaisir de nous se retrouver tous ensemble pour ce chemin extraordinaire d'initiation sur le pays des dieux et de la spiritualité. Merci beaucoup. Vous qui nous regardez, vous pouvez vous abonner à cette page Facebook. Hein, vous me suivez, vous cliquez sur j'aime, vous mettez des commentaires et puis on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci Lionel. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.